C'est un véritable désastre qui sévit sur le marché de Kolwezi. À la base, la rareté de poissons exportée localement. Pour les vendeurs, la fermeture du fleuve et ses lacs serait l'une des facteurs. C'est les temps de la fermeture. C'est pourquoi il y a rareté de poissons sur le marché. Et aussi l'abondance de pluie. C'est pourquoi il y a carence. Nous vendons aussi le poisson qui vient de la Zambie. S'il y a abondance de pluie et des vents violents, même les pêcheurs ne vont pas à l'eau. Ils ont peur pour éviter de perdre leur vie. Conséquence, ceux ayant obtenu des stocks de poissons sont en conflit avec le client suite au prix qui n'est pas habituel. Avant la période de nos pères, on pêchait normalement. Mais de nos jours, il y a ceux qui pêchent avec des mauvais esprits. Il est difficile de faire les choses naturellement. Et ceux qui utilisent aussi les moustiquaires, ça abîme encore davantage. On pêche même des petits poissons. Ici, les poissons sont devenus trop chers. Même les clients nous fouillent. Par exemple, les sardines. Ces poissons ne meurent plus comme avant. Avant, les poissons se produisaient naturellement et en abondance. Mais de nos jours, c'est très compliqué. Pour rappel, pendant 3 mois, soit du mois de décembre jusqu'au mois de février, le gouvernement procède à la fermeture du fleuve Congo et ses lacs des retenues. Pour cette année, aucun communiqué officiel n'a été mis à la disposition du grand public. Allez, allez, allez.